Cette fois, je vous le jure. Si vous ne le retrouvez pas avant 6 heures ce soir, je me tuerai. Mais à quoi joues-tu? On ne sait pas de quoi on est capable avant d'avoir essayé. La philosophie au réveil, c'est sérieux. J'ai vu un homme hier soir dans un théâtre. Il m'a impressionné. Il s'appelle Harry Nemo. Il peut imiter n'importe qui, toutes les voix. Un grand talent. Et aussi une sorte de philosophe dans son genre. Vois-tu, Harry Nemo pense réellement qu'un homme peut devenir celui qu'il veut être. Et toi? Eh bien, je crois que toi, tu pourrais le faire. Tu crois ça? En tout cas, pas comme ça, au saut du lit. Pour quelle raison n'es-tu pas chef de service? Politique. Ah, sottise, sottise. C'est que tu ne le veux pas assez ardemment. Pense-y, mon vieux. Harry Nemo a raison. En tout cas, je serai chef plus vite que tu ne seras un artiste. Bonjour, Beaumont. Bonjour, patron. Bonjour, Bolbec. Bonjour, monsieur. Je veux vous présenter monsieur Patterson. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Monsieur Patterson est en Europe le représentant de Hughes et Thorpe. Ah, ah oui, la firme de produits chimiques. C'est cela. Monsieur Patterson désire vous parler. Je vous en prie, asseyez-vous donc, monsieur. Il vaut mieux que vous leur expliquiez. Oui, bien sûr. Est-ce que le nom de Michel René vous dit quelque chose, monsieur? Je ne crois pas, non. Non, je n'en ai jamais entendu parler. Depuis que son père John Brady est décédé, Michel René est une de nos actionnaires. Sa fortune est vraiment immense, sa position sociale des plus importantes. Mais si jamais elle se tuait... Voyons, pourquoi se tuerait-elle? Eh bien, j'espère que vous garderez le secret, mais elle n'est pas tout à fait normale. Et ce n'est que ces derniers temps qu'elle a commencé à aller mieux. Que s'est-il passé ces derniers temps? Elle fit la connaissance d'un homme appelé Pierre Dubard et tomba amoureuse de lui. Mais ce Dubard se fatigua de Michel et la quitta. Il y a 10 jours de cela. Depuis, je n'avais jamais pu la joindre. Quand ce soir, il y a 1 heure, j'ai été appelé au téléphone par François Franck. Ah oui, le reporter au New York Herald. C'est cela, il est un de mes vieux amis. Il m'a dit qu'elle avait insisté auprès de lui pour qu'il vienne chez elle, disant qu'elle allait se tuer avant 6 heures, aujourd'hui, à moins que Pierre Dubard ne lui revienne. Cette affaire est des plus sérieuses qu'elle n'en a l'air. Il s'agit de bien davantage qu'une simple menace de suicide. L'ambassade s'est inquiétée. Elle a déjà alerté les affaires étrangères et le ministère de l'Intérieur. En d'autres mots, à nous de nous débrouiller. Exactement. Mm-hmm. Il faut que vous trouviez ce Pierre Dubard, ou quoi que ce soit qui empêchera cette jeune femme de se suicider. Oh non, surtout pas quoi que ce soit, c'est pourquoi je suis ici. Je tiens à vous faire comprendre la gravité de la situation. Le docteur est convaincu qu'elle est sur le point de perdre la raison. Une saute d'humeur, une discussion trop vive, qui c'est une simple contrariété, peut provoquer immédiatement la folie totale. Quoi qu'il arrive, il faudra l'aménager. Quoi qu'il arrive, c'est entendu. Voici son adresse. Merci. Restez en contact avec moi, monsieur Patterson. Au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir. Bonne chance. Après vous, docteur Freud. Michel René, ouvrez la porte. Vous avez entendu? Où êtes-vous? Police.
Oui. Où est le journaliste? Restez où vous êtes. Ne bougez pas. Vos revolvers. Allons, mettez vos revolvers sur la table, messieurs. Sans quoi? Je vous tue. Vous d'abord et moi ensuite, je n'ai rien à perdre. Oh, les gens qui parlent de suicider ne le font presque jamais. Presque jamais, c'est tout de même quelquefois. En désirez-vous la preuve? Pas d'imprudence, inspecteur. Asseyez-vous là-bas. Éloignez-vous de la table. Je n'ai pas demandé après vous, j'ai demandé l'homme du journal. Vous lui avez dit que vous alliez vous tuer. Il a pensé que peut-être nous pourrions vous aider? Peut-être que oui. Oui, parfois, en regardant cette ville, je crois que parmi tous ceux qui y vivent, il y en a probablement un qui peut m'aider. Lâchez ça! Lâchez-le et écoutez-moi. Mon père a été tué durant la guerre. Puis mon mari est mort dans un accident d'auto. Bien sûr, beaucoup de gens ont perdu les leurs pendant la guerre et après. Et alors, vous croyez qu'ils veulent se tuer pour ça? Pourquoi pas? Allons, assez de sottises, Michel. Donnez-moi le journal. Simple avertissement. Revenez vous asseoir. Il y a un homme, n'est-ce pas? Il y a un homme. Il y a un homme, c'est ça? Il y avait. Il est parti sans me dire au revoir. Il est juste parti. Je croyais avoir trouvé quelqu'un à qui appartenir encore. Mais il est parti. Tout ça n'était qu'une comédie. Cette histoire de suicide, juste un jeu pour nous amener ici. Vous avez raison, vous avez tort. Je voulais que vous veniez. J'ai appelé le journal, je savais qu'il vous appellerait. Mais dans tout ça, qu'est-ce que vous cherchez? Je veux le retrouver. Qui? Je veux dire, comment s'appelle-t-il? Pierre. Pierre Dubard. Je ne comprends pas pourquoi il est parti. Il disait qu'il m'aimait, qu'il voulait m'épouser. Je ne peux pas comprendre. C'est pourquoi je vous ai amené ici. Donc j'avais raison. Et tort aussi. Ce n'est pas un jeu. Vous devez retrouver Pierre. Et en attendant, l'un de vous restera ici avec moi. Retrouvez Pierre. Et sinon? Vas-y, moi je vais rester. Oh, pas question. Je suis pas d'humeur à courir à travers Paris. Et de plus, tu sais bien que j'ai les pieds plats. Toi, écoute-moi. Vous resterez. Charmé, madame. Il est plus jeune que vous, il a plus à perdre. T'as entendu la dame? Cours retrouver Pierre Dubard. Très bien, quelle est sa dernière adresse? Rue Saint-Lazare, numéro 10. Et le concierge a dit... Il ne m'a rien dit. Personne ne veut rien me dire. Très bien, je vais voir. Je ferai ce que je pourrai. Faites plus que ça. Il va être 4 heures. Je vous donne 2 heures. Ensuite, je le tuerai. 2 heures, je n'attendrai pas davantage. Mais écoutez-moi, il faut faire quelque chose. Cette femme a réellement perdu l'esprit. Elle peut tuer Bolbec d'une minute à l'autre. C'est un risque que tout policier court chaque jour. Je sais tout cela, patron, mais s'il y a un moyen d'éviter ce risque... Vous savez ce que M. Patterson a dit. Si nous envoyons du secours chez elle, ça peut la rendre folle jusqu'à la fin de ses jours. Si on ne le fait pas, Bolbec lui restera mort jusqu'à la fin de ses jours. Elle le tuera à 6 heures si je ne retrouve pas Dubard. Alors, trouvez Dubard avant 6 heures. Thank you.
ne sais pas où il est allé. Je n'assure que le service de tout nuit. Ça, c'est des histoires. Ah, mais je vous jure que non, je ne sais rien du tout. Où est-il? Puisque je vous dis que je n'en sais rien. Où est-il? Ah, vous êtes de la police, mais vous n'avez pas le droit. Je saurai la vérité, même si je dois vous rouer de coups pour l'avoir. Où est-il? Bon, très bien. Il m'a donné de l'argent pour ne rien dire à cause où de est-il? Allons, répondez-moi. À l'hôtel Rouget. Bien sûr. Naturellement, je comprends. Je voudrais parler à Pierre Dubard. Encore un de plus qui vient me poser des questions. Faites vite, je veux Pierre Dubard. Oui, je vous rappellerai plus tard, c'est la police. Mais tout s'est bien arrangé. Nous n'avons rien à nous reprocher, ils l'ont dit. Mais de quoi parlez-vous? De Dubard? C'était l'assurance. Mais écoutez, je me fiche de l'assurance. Je veux parler à Pierre Dubard et tout de suite. Où est-il? Mais vous ne savez pas? Je ne sais pas quoi. Mais Dubard est mort hier dans sa chambre d'une embolie. Une demi-heure. Une demi-heure déjà de passé. Soyez raisonnable. Vous feriez mieux de venir avec moi. Je n'ai confiance en personne. Non, en personne. Si je pars avec vous, vous essayerez de m'arrêter. Vous essayerez. Bah, c'est mon travail. Même si ça doit vous coûter la vie. Que vous voulez, j'ai dit tout ce que je savais. Je travaille toute la nuit et j'ai le droit de dormir un peu. Habillez-vous. Pourquoi est-ce que je m'habillerai? Je n'ai rien fait et vous n'avez pas le droit. Habillez-vous. Il paraît qu'on ne peut pas raisonner les femmes. C'était sûrement vrai pour celles qui nous intéressaient. Une folle prête à tuer Paul Beck dans une heure si on ne lui rendait pas l'homme qu'elle aimait. Et comment le faire puisque cet homme était mort? La situation était d'autant plus désespérée qu'il nous était interdit d'employer la force. Une seule solution nous restait, une solution désespérée elle aussi, mais peut-être réalisable grâce à l'aide du concierge et d'un autre homme. Harry Nemo. L'homme qui pouvait prendre la voix de tout le monde. Je me précipitais au théâtre où passait Harry Nemo. Pas de matinée. Mais le portier m'indiqua l'endroit où j'avais une chance de trouver Nemo. La terrasse du Fouquet's aux Champs-Élysées. Monsieur Nemo? Oui? Je viens vous demander un service. Bien sûr, avec plaisir. Pour la police? Un gars de bienfaisance, quand? Tout de suite. Tout de suite? Oui, c'est pour une œuvre qui en vaut la peine. Pour sauver deux vies humaines, il faut faire vite. Venez. Entrez. Entrez. Messieurs, vous m'excuserez si j'ai l'air de me répéter. Mais il est important que vous compreniez bien la situation, parce que nous sommes limités par le temps. Asseyez-vous. Quelque part dans cette ville, dans un appartement, il y a une femme. Une femme devenue folle. Elle tient un revolver braqué sur mon collègue, l'inspecteur Bolbec. Elle est décidée à le supprimer si je ne retrouve pas un certain homme avant 6 heures. Et malheureusement, cet homme est mort. Si je lui dis qu'il est mort, je suis sûr qu'elle ne voudra pas le croire. Voyons. Combien de temps Pierre Dubard a-t-il habité chez vous? Un mois, peut-être deux. C'est quand il n'a plus voulu voir cette femme. Lui est-il arrivé de vous parler de ça? Non. Tout ce que je sais, c'est qu'il me payait bien pour que je ne donne son adresse à personne. Pourquoi est-il parti? Elle l'avait vu dans la rue et elle l'avait suivi. Comme il ne voulait pas courir de risque, il a déménagé et il m'a demandé de ne dire à personne où il était parti. Je le savais parce que je lui avais porté ses affaires. C'est ça. Ça explique l'état de cette femme. La réaction qu'elle a eue en le revoyant. Et vous rappelez-vous comment il parlait? Il parlait
Il parlait comme tout le monde. Bien sûr, ce n'est pas ça que je veux dire. Quel genre de voix avait-il? Aiguë ou basse? Parlait-il lentement? Tâchez de vous rappeler ça. Mais je n'ai jamais prêté attention à ça. Aiguë ou basse, c'est idiot. On verra, nous allons tenter une petite expérience. Vous allez essayer d'expliquer à ce monsieur comment il parlait. Et lui va essayer de l'imiter. Vous avez bien compris. J'ai compris, mais ça va être difficile. Essayez. Il le faut. Très bien. Déjà 5 heures. Il ne nous reste qu'une heure. Et vous croyez qu'il voulait vraiment vous épouser? J'en suis certaine. Vous l'a-t-il dit? A-t-il dit qu'il voulait vous épouser? Il avait besoin de moi et j'avais besoin de lui. Personne ne peut passer sa vie tout seul. Non, personne. Vous avez beaucoup aimé votre mari. Et votre père. Oui. Permettez-moi de vous dire une chose. Oui, dites-la. Voilà, toutes les femmes ont le désir d'aimer, d'être aimées. Beaucoup le réalisent grâce à un mari ou une famille. Vous aviez perdu les deux, alors vous l'avez reporté sur Pierre. Évidemment. Et quel mal à ça? Dites-moi, ce Pierre, est-ce qu'il avait déjà été marié? Non. Hein? Eh bien, le cas est très clair. Vous l'avez accablé, dévoré avec votre amour. Ça a été pire que si vous ne l'aviez pas aimé du tout. Vous pensez qu'il m'a quitté pour ça? Je ne suis jamais qu'un policier. Si vous voulez une réponse à cela, le mieux sera d'aller voir un docteur dans une clinique. Clinique? Je n'irai pas dans une clinique. Un docteur, vous comprendrez. Il vous dirait comment faire pour qu'il revienne. Il vous dirait pour quelle raison il vous a quitté. Vous ne désirez pas le savoir? Si je pouvais me dire tout ça. Si je pensais vraiment qu'il puisse me le dire. Mais bien sûr. Mais il faut être gentil. Ne pas être aussi sauvage. Hein? Allez, donnez-moi ce revolver. J'ai peur. J'ai si peur de vivre toute seule. J'ai si peur. Donnez-moi le revolver. Je n'ai pas besoin d'un docteur. Votre ami va me le ramener. Il faut qu'il me le ramène. Décrochez, répondez. Oui? Allô, Bolbec? Ne dis rien. Contente-toi d'écouter. Oui, c'est ça. Bon, je vais lui dire. Oui, c'est entendu. Très bien. Alors? Dites-moi, est-ce que Pierre avait une maladie de cœur? Oui. Qu'y a-t-il? Il est malade, je veux le voir. C'est un piège. Vous parlez de sa maladie de cœur pour m'attirer hors d'ici. Pierre est à l'hôpital. Mon ami y va pour le voir. Quand il l'aura vu, il nous rappellera. Très bien. Mais si c'est un piège... Encore une fois. Essayez encore. Allô, Michel? C'est moi, Pierre. Non, ce n'est pas encore ça. Et vous avez dit plus aigu. Plus aigu, oui, mais ça n'est pas sa voix. Ne discutons pas, je vous en prie. Essayez encore. Allô, Michel? C'est moi, Pierre. Oui, cette fois, c'est presque ça. Recommencez. Allô, Michel? C'est moi, Pierre. J'ai été bien malade encore. Cette fois, ça y est. Alors, rappelez-vous, si elle a un doute quelconque sur votre voix, dites que vous êtes malade. Oui, c'est entendu. C'est pas facile, vous savez. Il reste à peine une demi-heure. Pourrais-je avoir une cigarette, madame? Merci. Bolbec, je suis à l'hôpital. Et Pierre est avec moi. Il est très mal. Une crise cardiaque. Il désire lui parler. Allô, Michel? C'est moi, Pierre. Oh, Pierre! C'est bien toi, Pierre.
Où es-tu? Ce n'est pas Pierre. Ce n'est pas Pierre. Je ne l'ai pas dupé, j'en suis sûr. Allons, continuez. Michel, c'est moi. Je suis malade, très malade. Oui. Tu es malade? Oh, mais tu aurais dû me le dire. Non, écoute, chérie. Où es-tu? Je viens te voir tout de suite. Ils n'ont pas du bien de soigner. Sans ça, tu serais déjà venu me retrouver. Michel, l'inspecteur Beaumont est ici. Il va envoyer une voiture te chercher. Oh, chérie, dis-leur de venir très vite. Le temps m'a semblé si long. Tellement long. Pierre, dis-moi une chose. Pourquoi es-tu parti? Pourquoi, chérie, pourquoi? Oh, oui, je sais, mais... Mais une des infirmières aurait pu me téléphoner, ou le docteur. Il dit qu'il ne peut rien m'expliquer au téléphone. Je sens que c'est un piège. Ce n'est pas Pierre. Vous ne comprenez donc pas que c'est très embarrassant pour lui. Vous exigez des confidences de sa part devant des étrangers. Mais je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre que c'est lui. Ah, allez au diable alors, tuez-moi et ensuite débrouillez-vous. Une femme de votre espèce ne peut être utile à aucun homme. Ce n'est pas vrai. Il a besoin de moi. Alors, prouvez-le. Dites-lui que vous allez le voir. Allô, Michel? Pierre. Pierre. Dis-leur qu'ils viennent vite. Ici Bolbec. Dites à Beaumont que tout va bien. On vous attendra devant la porte de la maison. Oui? Pourtant, j'espère quand elle arrivera à l'hôpital qu'il sera chic avec elle. Elle arrivera à l'hôpital, mais il ne sera pas chic avec elle. Il est mort. Quoi? Mais... C'était Harry Nemo qui téléphonait, l'imitateur. Non. Le type qui peut devenir tout ce qu'il veut? Comme moi? Personne n'est comme toi, Bolbec. Paris Première.